L'homme au visage de paille. Citation de Van Gogh. Mon grand désir est d'apprendre à faire de telles inexactitudes, de telles anomalies, de tels remaniements, de tels changements de la réalité, qu'il en sorte, mais oui, des mensonges si l'on veut, mais plus vrais que la vérité littérale. Autoportrait en champ de blé. C'est ainsi que Van Gogh eut pu intituler le tableau qui le représente. La peinture de Vincent Van Gogh pousse vers le soleil. En flammes ou en brun, en petites touches de lumière serrées, ces tableaux sont des tournesols. Partout des champs d'orge ou de blé, jusque dans le ciel dont le soleil est de paille, jusque sur les murs de la chambre de Lazare ou sur le visage de Joseph Roulin et de sa femme. Tout un potentiel d'émotion se résout sur la toile en brin de paille, tout près de s'incendier. Autoportrait en champ de blé. C'est ainsi que Van Gogh eut pu intituler le tableau qui le représente. Avec l'entrain d'un Marseillais mangeant de la bouillabaisse, il peint les soleils par douzaines, à différents stades de leur floraison, d'un beau jaune de chrome sur fond vert véronèse ou bleu de roi. Certains, tombés à terre, à demi fanés, ont l'air de gros artichauts en feu. Des horizons rudimentaires lui conviennent. Un potager, quelques collines. De la terre volontiers, il fait un incendie, un mistral de lumière et de couleurs. Quoi qu'il arrive, il faut des vagues, des tourbillons, une houle. Aurait-il été potier? Peut-être ses mains eussent-elles enfin été satisfaites. Qui d'autre a autant empoigné la nature avec un pinceau? Qui l'a fait ramper ainsi et se tordre? Il ne peint rien d'autre que ce qui le brûle. Il ne cherche pas la nuance, mais la force. C'est folie, dites-vous. Non, c'est l'invisible dedans oublié sous la peau ou sous les pierres qui remonte sous pression à la surface du tableau. C'est poème, c'est lyrisme. Plutôt qu'à répéter la douleur et l'angoisse de l'artiste, il appartient à qui le suit à travers les tourments ou les joies de ses tableaux d'y retrouver les délivrances momentanées qui lui ont apporté l'espoir d'une couleur qui tiendrait sa promesse. Sa folie importe moins que sa façon de garder son calme. Quand on l'a trouvé mort, il portait sur lui une lettre adressée à son frère avec ces mots. Tu as ta part à la production même de certaines toiles qui, même dans la débâcle, gardent leur calme. Ce sont là comme les derniers mots de la peinture. Il désire moins peindre ce qui est là, tel quel, sous nos yeux, que réveiller le regard endormi. Et puisqu'un tableau est fait de touches et de traits, plutôt que de les effacer, ou de les résorber en de soigneux glacis, il fait de chacun un signe, où la peinture même s'affirme en son effort et sa folie d'être la musique silencieuse du visible. Il est revenu. Qui ? De Vincent à l'universel. Fraternité du rythme.
le vainqueur de la couleur, le voleur solaire. Celui qui, séparant la paille et le grain, s'en est revêtu le visage incendiaire, afin que tous les jaunes du monde étendent leur empire. Messe passée, tel pourrait être son fait passé, un appel vers un horizon fabuleux. Ici, le tableau devient caisse de résonance pour la tragique beauté de la musique du monde. La main se fait humble, paysanne, ouvrière, solitaire, pour façonner, maçonner, architecturer, tailler, creuser, enduire, travailler en vérité. Ne croyez pas que tout ce bleu soit sans douleur, car il est l'âme du monde, le lieu où se perdre de vue. La nuit d'Arles se fait maternelle avec son horizon courbe où un couple s'abrite. Le Rhône, apaisé, assiste à la naissance des souffles. Sur l'autre rive, la lumière scintille. Ici, tout n'est que brillance, reflet, comme palpitent les feux du port à l'approche nocturne aux yeux du navigateur solitaire revenu du large. Stellaire se fait la lumière qui illumine notre nuit comme un appel. Nota bene, paysageur de l'estuaire de la Gironde, c'est par la voie des rythmes, de la manifestation des souffles et par le travail inlassable des micro-répétitions, où les micro-intervalles font les valeurs, comme fait le ressac aux rives du fleuve, que j'ai ouvert ma peinture à Van Gogh, pour laisser certaines de ces colorations venir se refléter
à la surface de ma peinture. Me parcourir sur la toile, dans la durée, avec la présence fraternelle de cet homme au visage de paille, de la nuit à l'aube, dans l'espace solaire, puis dans la nuit étoilée. C'est ma façon de proposer une fête pour les yeux, une particule d'universel, une musique mosaïque de l'air. Tu as ta part à la production même de certaines toiles qui, même dans la débâcle, gardent leur calme. L'homme au visage de paille. Citation de Van Gogh. Mon grand désir est à faire de telles inexactitudes, de telles anomalies, de tels remaniements, de tels changements de la réalité, qu'il en sorte, mais oui, des mensonges, si l'on veut, mais plus vrai que la vérité littérale.